Nous bien conscients qui sa interview Père Christian Salançon, le pensée Christian de CSE, fait nous pose une bonne question importante, la théologie qui concerne rencontre bonne religion. Ça, c'est un grand sentier bien ouvert. Sa film-là, le premier dans une série film côte Net for Good pour présenter ou bonne différents points de vue, l'eau s'assise là. Ça l'appelle bon Dieu qui m'entendait là. Il appelle moi donne-moi la vie pour sa dimoune étrange là. Qui n'est pied n'a une place l'eau sa la terre là. Parce qu'il y finit quitte son pays et sa famille pour y aller sa l'autre place qui bon Dieu finit montrer lui. Et ça même l'appel là finit demande moi une stabilité dans sa monastère là. Pour un con avec bans habitants sa pays là. La ville bon Dieu. Côte ban frontière entre ban pays, ban race, ban religion, bizin disparaître. Christian de Cézé, un prêtre français, ti prière, c'est-à-dire responsable communauté ban moine dans Tibérine. C'est un monastère cistercien qui trouve dans ban mont Atlas dans l'Algérie. Quand il y a un ban trouble en Algérie en 1996, les l'islam qui majoritaire une proclamée qui c'est la religion naturelle, c'est l'islam, et tirer fils droit l'expression avant les autres qui différent. Zotfin enlève 7 moines et une séquestre les autres pendant des mois avant qu'ils autres gagnent une la fin tragique. Des frères, Amédée et Jean-Pierre, fin récit sap sa drame là. C'est grâce à eux que Notre-Dame de l'Atlas peut continuer à exister. Il n'est plus dans l'Algérie, mais dans le Maroc, dans le monastère Midelt. Aujourd'hui, Christian Salançon, un prêtre français, directeur Institut Sciences et Théologie ban Religion de Marseille, et qui écrit le livre Christian de Cézé, une théologie de l'espérance, invite-nous pour rendre dans l'originalité la vie et que façon penser Christian de Cézé. Christian de Cézé, au fond, au fur et à mesure de son Christian de Cézé, au fur et à mesure de l'expérience, fin développe une manière de penser théologique intéressante qui fruit en la vie qu'il y fin vivre dans un dialogue avec ban chrétiens dans l'Algérie, avec ban musulmans qui voient un monastère, et aussi avec sa grande tradition religieuse qui l'islam était. Pas juste avec ban musulmans, mais aussi avec l'islam. Pas uniquement les musulmans, mais aussi avec l'islam. Je crois que Christian et que son frère ont un don pour le monde et pour l'Église. Pour aider nous vivre ce temps nouveau que nous pouvons vivre. C'est un temps qui a à la fois une grande indifférence par rapport à la religion et en même temps beaucoup de religion et aussi un recel spirituel profond. De grande indifférence religieuse, de pluralité religieuse et de profonde quête spirituelle. Christian de Cézé t'y bien toussé pour sa question algérienne là. Sa pays là fin traumatisé par colonisation depuis 1830 et son enfance fin marqué par ça. Depuis l'âge 5 ans, en 1942, il vive là-bas avec sa famille pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est quand il fin retourne en France en 1945
et Christian fin choisir pour une prête. Et quand il a 19 ans, il fin rentre séminaire des com dans Paris. En septembre 1958, un séminariste qui était dans même l'année à Oli, une bizarre arrête zot l'étude pour faire zot service militaire. Sa génération-là, c'est la génération qui finit faire la guerre Algérie. En la guerre qui finit faire 200 000 morts et qui en 1962 finit faire l'Algérie gagner son indépendance. Quand fin appelle lui pour servir dans l'armée en juillet 1959, Christian de Chéager, à 23 ans, fin senti, comme il peut dire plus tard, qu'il fin zet li dans conflit à l'époque-là sans aucune préparation ni aucune explication. Et là, ta vie va être complètement bouleversée. Et là, cela vit pour complètement bouleversé. Parce qu'il y pousouane avec un dimoun, avec qui il y pouen un grand, grand amitié. Sa dimoun là, c'est Mohamed, un god forestier. Un dimoun qui pas qu'on lié, pas pas une famille. Et là, pouen une véritable rencontre entre ça des hommes là. Ze poupotas beaucoup l'os de la foi. Au niveau de leur foi. Avec Mohamed, sa musulman là, papa 10 enfants, nous dialogue, tu dialogue en l'amitié, que tu à la paix, confiance. Le dialogue, il a tout bas de conflit. C'est bon Dieu qui tient l'horizon. Il dit connaît qu'il me tient un séminariste et moi me tiens trouve lui faire cela prière avec ce carême avec un la joie dans ce l'équerre. Christian d'ailleurs écrira quelques années plus tard, il écrira. D'ailleurs, des trois années plus tard, Christian peut écrire ça dit Moonline puis, libère moi la foi. Et fin en un drame. Un jour, je fin d'homme dans une pièce et que Mohamed fin prothèse Christian. Il fin dire pas besoin à Gasly, ça dit Moonline, il compte en banalzéien, il compte en musulman. Pas besoin à Nouili. Il est musulman, donc il ne faut pas l'inquiéter. Voilà. Enfin, Mohamed a pris sa protection. Mohamed fin prothèse lui, fin prend sa défense et des jours après, fin retrouve Mohamed qui fin assassiné près côté de son puits. À côté de son puits. Cet événement est un événement. Ça, l'événement-là, fin bouleverse Christian de Chéager. Mais fin vive ça comme un grand drame. Et pendant longtemps, il n'y a pas fin cause l'eau, là. Et doucement, doucement, il fin trouve une signification dans ça, l'événement-là. De cet événement, le sens qui lui était donné. Dans le disant, sa camarade-là, qui fin assassiné parce qu'il n'y a pas fin accepté faire un pacte avec la haine, mon connaît qui me l'appelle pour suivre les Christ, bizarre, tôt ou tôt, trouve sa place pour y vivre dans sa pays-là. La même côte fine donne moi un gaz plus grand l'amour qu'il y en a. Il est très impressionné parce que. Il est bien impressionné parce que Mohamed fin donne sur la vie. Et il fin donne sur la vie comme le Christ il donne sur la vie. Mohamed, le musulman, a donné sa vie comme le Christ. Mohamed, un musulman, il donne sur la vie comme le Christ. Si un musulman fin imite le Christ dans don sur la vie, les là, nous capables d'en l'autre égole au bal musulman. On peut jeter un regard différent sur les musulmans. Mohamed, évidemment. Mohamed, tu connais qui tient une menace là au lit. Christian aussi, tu connais. Et Christian, tu dis à lui, tu connais, moi, vous prie pour toi. Mohamed, il dit à lui, moi, connais, tu vous prie pour moi. Mais tu as bien trouvé qu'il m'a un chrétien pas qu'on prier. Vous ne savez pas prier. Alors, évidemment, cette phrase avait. Bien évidemment, sa phrase-là, fin blesse Christian. Il finit dit à lui-même, capable qui témoigne à ce que l'Église type donne Mohamed à ce moment-là, pas type montrer qu'il a prié chrétienne et était vraiment. Ne rendait pas réellement compte de ce qu'est la prière chrétienne, sans doute, sans doute. En tout cas, lui. En tout cas, lui, il finit recevoir ça comme un appel pour venir un priant. C'est pas Mohamed, un musulman, qu'il recevoir ce appel pour venir moine. Côte ça, dans l'Algérie. Ou en Algérie, en Algérie. Léla, un pèlerinage vers la communion des saints fin commencer. Côte chrétien, musulman, et qu'un man les autres fin potaz, et même la joie enfant mondier. Me connais qui m'a capable de fixer sa nom, mon espérance là, l'eau au moins un musulman, sa frère bien-aimé là, qui vin imite Jésus-Christ jusqu'à dans son amour. Ordonné prêtre dans Paris en 1964, c'est dans l'abbaye Aigbelle que Christian de Chéager fait 18 mois formation pour vin moine avant l'île Tibérine en janvier 1971.
bien tigit chrétien et encore plus tigit moine, ça l'époque-là fin prend sa ses mains pour une rencontre spirituelle avec ban musulman. Vatican II fin fait couvert ban l'apôtre l'Église catholique quand les fin reconnaît qu'il n'y pas résiste non nier ce qui est vrai et ce qui est saint dans ban les autres grandes religions. Les lames au fin arrivent dans ban mont Atlas à 1000 mètres d'altitude. Dans une population qui pauvre mais qui connaît sourire, qui croyant et qui respectait ban religion n'importe qui religion, pourvu qui soit en dans correspond avec soit en dehors. Loin de la terre, côté ban chrétien une vinaine minorité, 50 000 au milieu 25 millions alzéiens qui musulmans. La vie, la communauté, côté na 10 moines organisés dans la prière et le travail. Cette fois pour vous, ban moines zouen pour prier ensemble. Dans Tibirine, ils vivent bien proches avec Bandimoun dans le village. Ils ont décidé pour ne pas être Bandimoun, mais pour vivre avec eux dans un partenariat. Mais de vivre avec eux un partenariat. Dans, et travailler ensemble la terre qu'il a baillée. Il y en a 10 hectares qu'ils ont fini de garder quand il y a une réforme dans l'agriculture, qu'ils ont donné sa 400 hectares qu'ils ont tiennent là. Ils ont travaillé ça 10 hectares là avec Bandi Moun dans le village, ce qui fait que tous les jours ils ont en contact et ils vivent la vie coopérative à part égale. À parité. C'est comme ça qu'il y a fier et à mesure, ban l'année. Un dialogue spirituel fin commencé dans simplicité ban naissance de tous les jours avec ban voisin monastère. Christian de Chergé, qui t'y cause bien arabe, est attentif à sa ban parabole de la villa. L'autre là l'y intéresse moi, parce qu'il y a un l'autre, un étranger, un musulman qui l'y mon frère. Cette différence l'y fait un sens pour moi dans ce qui m'ont été. Moi, vite ferme l'autre là dans une idée qui m'a un délit. Capable qu'il me l'église, il transmette moi. Ni enferme-lui dans ce qu'il est capable de dire moi l'eau lui-même dans ce moment-là. Quoi cette expérience de vie? Dans quelle manière c'est l'expérience et la vie dans un monastère, et la vie portée avec un voisin musulman, capable de donner naissance à une pensée théologique bien fertile? Alors, je crois que la fécondité théologique. Je crois que c'est l'expérience théologique bien fertile là, pour jouer un grand rôle dans la vie de la prière. Dans l'expérience de la prière. En 1975, quand Christian vous prononce ce ban définitif, la communauté poussant ce nom pour appeler lui-même un ban priant parmi les autres priants. En étant des priants parmi d'autres priants. Voilà. Et pour Christian, cela prière, c'est vraiment ça. Me rendre dans une relation la prière avec les autres croyants. Avec les autres croyants. Et de ce point de vue-là, il y a une expérience qui... Et à l'origine de tout ça, là, il y a une expérience que Christian pouvait vivre en 1975. Il racontait qu'il y a un soir après compli, quand les types priaient en silence. Dans une prière silencieuse. Et qu'il y a... Un musulman qui vient dans l'hôtellerie, vient assis à côté de lui et demande lui s'il est capable de prier avec lui. Et qui lui demande s'il peut prier avec lui. Voilà. Et il dit alors à commencer. Et il dit, Léla en la prière en commun fin commencer, où t'as tour des rôles fin en la prière chrétienne et que la prière musulmane. Où ils ont dit ensemble. Et comment ça musulman là, tu connais notre père, je te fin dit à notre père ensemble. Au monastère, connaissez de notre père. Voilà.
Ils dit le Magnificat aussi. Ils ont fini aussi dire Magnificat. Christian dit NVSC, les musulmans là répètent après lui. Ils ont fini prier comme ça ensemble. Ces musulmans là, ils viennent dans l'hôtellerie avec un souban camarade qui est chrétien. Et ces camarades là, ils pérodent pas tous jusqu'à ce qu'ils les retrouvent tous les deux prier ensemble. Et les fins viennent prier aux autres. Et tous les trois ont prié ensemble pendant 3 heures. Et ils ont prié ensemble tous les trois, 3 heures durant. Un an après, le 1er octobre 1976, quand il pouvait faire son vœu définitif, Christian peut dire. Ça, l'événement-là, il n'est pas un rêve. Il finit exister. C'est pour ça qu'il y a encore sa grande espérance qui est là dans mon appel. Et il fait à moi vivre pendant sa 3 heures-là, ce qui me la foi t'y connaît possible pour les siècles et des siècles. Mais alors, qui est Dieu? Mais alors, qui s'en a bondié et qui s'a bondié l'islam-là pour Christian de Chéager? Alors, d'abord, c'est le même que le nôtre. D'abord, bien sûr, c'est même bondier qui nous bondier. Depuis les bien zen, Christian de Chéager finit à prendre qui c'est même bondier. Ce qu'était sa mère. Il racontait que quand il était enfant dans l'Algérie, il était tout le temps étonné, trouve Banzom et pria à genoux le trottoir. Des hommes à genoux sur le trottoir en train de prier. Et alors il avait. Léla, il était demandé à son maman, qui sa Banzom l'a pu faire? Son maman ne recommande pas si qu'un autre, mais elle a beaucoup de respect. Son maman dit à lui, je peux prier, bon Dieu. Et elle lui avait dit, il prie Dieu. Il prie Dieu. Voilà. Et il dit, depuis ça l'as-là, je connais qui bondait l'islam et qui bondait Jésus-Christ, il n'est pas séparé. Donc nous sommes nous à la fois dans un même bondier. Puisque le concile lui-même. Alors c'est la foi dans un même bondier qui réunit nous, comme un concile lui-même dit, si est tout dans constitution dogmatique de l'Église. Avec nous, pas le musulman adore un bondier unique. Non seulement ils adorent un bon Dieu unique, mais ils ont un seul bon Dieu, donc c'est même bon Dieu. Non seulement ils adorent le Dieu unique, mais ils adorent aussi avec nous. En 1989, Christian de Chéager prie la communauté depuis 5 ans, affirmé dans une conférence à Rome, dans l'Institut Pontifical pour l'étude arabe et islamologie. Depuis 30 ans, m'otane dans moi l'existence de l'islam comme une question qui pas laisse moi tranquille. Dans moi, il y a un grand désir pour connaître qui place l'islam et n'a dans plan bondier. Me croise l'islamo qui peut donner moi une réponse. Il dit pas que l'islam fait partie. Il pas dire que l'islam fait partie plan bondier. D'abord parce qu'il dit qu'il n'est pas connaît. Comment comprendre le livre? Qui manière pour comprendre l'islam? Naissance l'islam. Il pas engage dans une affirmation comme ça. Il s'engage pas sur une affirmation de ce type-là. En revanche, mais il croit que l'islam a une place dans plan bondier. Mais il dit qu'il n'est pas connaît qui sa place là. Mais il croit que l'islam a une place dans plan bondier. Et il dit. À ce moment-là, il dit que. Et là, il dit qui, tout qui rodale deviner qui peut place l'islam dans plan mondier, vaut mieux croire que l'islam ait une place et rentre dans un dialogue. Et quand nous pouvons prendre ça, c'est un dialogue-là, qui nous peut découvrir ce qui bondit en vie, qui nous découvre. Ce que Dieu a envie de nous faire redécouvrir. Quelque part, c'est son. Quelque part, c'est une ignorance qui pousse lui faire sa rencontre-là. Exactement. C'est l'ignorance et l'espérance. Exactement. C'est l'ignorance et l'espérance, tous les deux. Je ne sais pas. Et puis l'espérance aussi, parce que l'ignorance sûr, parce qu'il n'y pas connaît, et l'espérance aussi parce qu'il y sire, qui nous tout, nous dans les quais bondiers. Nous doublement frères avec ban musulman, parce qu'il nous tout, nous ban prodigue et nous ban pardonné. Tous des prodigues là-dessus, on n'a rien à s'envier, des prodigues et des pardonnés. Christian de Chéager, pour y rentrer en relation avec l'islam, ce point de départ, c'est sa vision, sa désir qui bondit et n'a pour réunir nous tous. Qui exactement ce point de départ? Voilà, alors ça c'est à mon avis, c'est la clé. Pour moi, c'est ça la clé sur théologie. Si Mosé vient un grand mot, ce qui est central pour lui, c'est l'eschatologie.
Dans théologie chrétienne, nous appelons ça eschatologie. Eschatologie, ce n'est pas ce qui nous peut deviner plus tard quand nous pouvons, mais c'est zoodie qui ça peut arriver. Quand nous serons morts. Mais c'est qu'aujourd'hui, c'est réalisé. La dernière parole, de Jésus sur la croix, c'est « tout fin accompli ». Qui fin accompli? C'est « salut du monde » qui fin accompli. Qui ça veut dire le salut du monde? Parmi les autres quelque chose, ça veut dire qu'il nous tous, nous ensemble, nous rassembler dans les cœurs, bon Dieu, papa. Concile dit ça dans Ad Gentes. Un décret qui cause l'aube en activité ban missionnaire dans le numéro 2, je crois. Il dit, plan bon Dieu papa, c'est qui tous les hommes réunis autour d'une même table. Réunis tous à la même table. Voilà. Le Père, c'est l'amour dans bon Dieu papa, c'est l'amour dans la source même. Et il y a envie rassembler autour sur la table tous les hommes, depuis tous les tribus, toute la langue, etc. Donc il nous faut partir de la communion des saints. Donc nous bisons prendre à partir de la communion ban saints. Nous tous ensemble, nous en communion. Ça, c'est la communion des saints. Vous savez, là, vous connaissez sa grande vision dans l'Apocalypse, dans ces moments opérés liés à l'Apocalypse. Me trouve une grande, la foule immense, qui personne n'est pas capable de compter, côté n'a tout bonne race, qui vient depuis tout bonne pays, qui cause tout bonne langage. Et alors le vieillard me demande. Et la vieillard là demande-moi, qui s'en là, ça m'a dit moun là, et que d'autres sorti. Je vous prends bien précaution pour ne pas répondre à sa question là. Là, moi, sans un pétexte là, moi, je ne pas connais. Je ne pas connais si d'autres viennent depuis l'Église catholique, je ne pas croire. Que de l'Église catholique. Je ne crois pas. Bon. Et alors, je... Et Léa, qui m'a pour répondre sa vieilleur dans l'Apocalypse, là, m'a pour répondre lui. Monseigneur, c'est toi qui connais. Et à ce moment-là, qui vieilleur là, dit dans le texte de l'Apocalypse, Zot vine depuis sa grande épreuve là. Zot fin lave, zot lince dans dix ans l'agneau. Dans le sang de l'agneau. Voilà. Ils viennent de la grande épreuve. Qu'est-ce qu'ils ont vécu? Ils ont vécu. Et qui zot fin vive? Zot fin vive les mystères pascal. Zot fin passe de l'amour à la vie. Mystère pascal, c'est pas juste ben des gens qui croient dans Jésus qui vivent là, mais tout des gens qui m'a conseillé à nous dans Gaudium Espèce. Bon Dieu qu'on sac des gens, et il y appelle sac des gens pour vivre mystère pascal. C'est ça la communion des saints. Voilà. C'est cela la communion des saints, c'est ça la communion des saints. Elle dépasse, il dépasse tout nos bonnes appartenances. 12 000 de ceci, 12 000 de cela, c'est ben si pas fait 12 000. Alors on est capable de foncer. Donc vous pouvez y aller, 12 000 musulmans, 12 000. Je cite du Christian Deschaises. Au site Christian Deschaises, 12 000 musulmans, 12 000 bouddhistes, 12 000 hindous. Allah aime la foule immense. Ça, c'est la communion des saints. La communion des saints, c'est dans bon Dieu qui s'est capable d'arriver. Et Zodi, nous bisons un con à la communion là. C'est ce que Christian dit. Que l'espérance, c'est croire dans la communion à un point qui nous incarne, lit Zodi. Quand je rencontre. Quand je rejoins un frère musulman, si moi j'ai une confiance qui nous peut assise l'eau, elle même la table, et que papa bon Dieu. Kuma Enman prodigue qui finit pas à donner. Assis à la même table, à la table du Père, comme des prodigues pardonnés. Mo pouena en l'autre manière pour me rendre dans un dialogue qui si me dit, li mo bien connaît, qu'il y croit, parce qu'il moi me croit dans sa manière là. Léa là, il y a un grand fossé. Partons pas sur le fossé. Partons pas sur le fossé des différences. Non, nous bisons pas commencer avec sa fossé qui nous bat différence était. À nous commencer avec ce qui réunit nous, loin même la table, nous pour trouver nous bat différence apparaître et nous pour respecter les autres parce qu'ils pouvaient sa grande espérance qui réunit nous autour la table, nous papa bondier. Zodi, nos missions c'est un con, c'est la communion des saints là, dans ma relation qui tipti, de lien visage dans ma relation qui tipti. À cette communion des saints. C'est comme ça qu'en mars 1979, groupe Ribat es Salam, le lien de la paix, fin formé dans le monastère Tibérine, côte ban chrétien et ban musulman péro d'ensemble pour reconnaître et développer ban lien spirituel qui inie à zot. Un symbole salien là, c'est qui depuis 1988, dans le monastère, où t'en est la cloche et muezine. Quand ma noine fin près de zot ban voisin, en la salle monastère, pour zot faire une mosquée. En 1989, Christian de Chergé écrit. Il est difficile pour pas accueillir ça l'appel à la prière là, n'importe quoi de ça l'y sorti. Pour moi, un rappel à la communion, c'est qui bien important dans les caisses abondées vers qui nous tournait avec un même l'abandon.
Il y a quelque chose du visage du Christ dans notre. Il y a quelque chose qui ressemble au visage du Christ dans nos bons frères musulmans. C'est pour ça qu'il nous capable et a une essence entre nous. Ça ne veut pas dire qu'il y a des musulmans et qu'il y a une bonne affaire que le Christ pas fin révèle nous. Révélation pour nous est totalement complète dans Jésus-Christ. Les problèmes, il n'est pas là. Mais il y a un bon aspect qui y a des musulmans amenés, qui est capable de faire comme un écho en nous, qui est capable de réveiller nos propres foi. Vous trouvez ça, ces dialogues. Ils vont venir réveiller les choses dans notre propre foi. C'est ça le dialogue. Le dialogue, c'est pas. Le dialogue, c'est pas ce qui est une ban pour donner l'autre ban, ce qui est peine. Mais qui les autres viennent réveiller ban quelque chose qui nous sortait dans nos propres équerres. Dans le cœur de l'autre, des choses que nous portons. En 1993, Christian de Chergé donne son témoignage devant sa pite générale, l'ordre cistercien. Bon Dieu, il donne sa chrétien qui m'a été là, fait une expérience spirituelle authentique à travers ce qui en l'autre fin recevoir pour lui-même, pour God sa goût bon Dieu là. L'appel à la prière, dire sur la prière, faux, à haute voix, bans esportas. Verset coranique, bien si aime aux pensées qui est capable de faire une véritable lectio divina à partir du Coran dans langue arabe. Si à tout qui sait un millier côte nous ban l'écritière et n'a seule origine. Christian lit le Coran. Christian, il lit le Coran. Il dit faire ce lectio divina, c'est-à-dire un lectier dans l'écriture qui vous méditez et priez. De l'écriture. Alors évidemment, il médite et il. Bien sûr, il médite et il prie, il y a un texte dans la Bible, mais il médite le Coran aussi. Et alors il dit que de temps en temps. Et là, il dit qu'il est de temps en temps dans le Coran aussi, il fait ça l'expérience bouleversante, comment dire, un saisissement de la parole. C'est-à-dire qu'il s'y asie un seul coup. Ce mot s'y asissement-là, il trouve dans ce qu'il y finit écrire. Il dit, on dirait l'évangile en raccourci. Et il finit faire l'expérience parole bon Dieu quand il lit le Coran. En lisant les écritures coraniques. Est-ce qu'il nous capable de dire que c'est une expérience spirituelle? Complètement. C'est une expérience spirituelle, une expérience parole bon Dieu quand il lit le Coran. Et on a l'impression en fait qu'il. Et on a l'impression qu'il y comprend le Coran à travers la lumière parole bon Dieu. Est-ce qu'il nous capable de dire ça comme ça? C'est-à-dire, il ne compare jamais le. Oui, ou capable de dire ça. C'est-à-dire, jamais il compare le Coran avec la Bible. Il n'a pas fait sa comparaison. Comparaison, il est mortel. Voilà. Mais il ne compare jamais les deux, mais il laisse. Mais il laisse un raisonne dans l'autre. Donc, c'est vraiment un dialogue entre ban l'écriture. Il comprend le Coran à travers la lumière ban l'écriture et la Bible. Et des fois, il comprend ban l'écriture et la Bible à travers le Coran. Comment dire, en là, il trouve un écho dans l'autre là. Mais il comprend aussi les écritures bibliques, des fois par le Coran. L'un vient trouver écho dans l'autre, voilà. L'écriture cause en d'autres, ou plutôt, une écriture fait à l'autre l'écriture à la causer. Une écriture fait par l'autre. Un autre point qui est sans doute aussi. Un autre point bien important pour Christian, c'est manière qu'il y comprend le Christ. Aussi. Sa compréhension du Christ. Le Christ, des fois, nous l'enfermons. Parfois, nous enfermons le Christ dans personnages historiques de Jésus de Nazareth. De Jésus de Nazareth. Et nous avons raison. Et nous en avons raison, parce qu'il est incarné dans Jésus de Nazareth. Nous en avons raison. Mais pour Christian, le Christ est plus grand que ça. Plus grand que ça, quoi. Le Christ, il est le Christ, c'est le Verbe. C'est le Verbe par qui tout bannes affaires créer. C'est le verbe dans qui tout bannes a fait exister. Tout ça, c'est ma citation dans l'écriture. Ça, c'est le verbe, et ça verbe-là, il est présent dans le musulman, il est présent dans l'islam. Le Christ présent dans l'islam. Voilà. Et il cite une phrase de Théard. Et il cite une phrase de Théard de Chardin qui m'a bien content. Il dit, « Je crois que l'Église, il y a encore un enfant. Sa Christ dans laquelle il croit là, il est tellement plus grand qu'il sait qu'il y pensait. » Est démesurément plus grand qu'elle ne l'imagine. Le Christ est démesurément plus grand. Le Christ est tellement plus grand que tout ce qu'il nous capable d'imaginer. Et Christian, lui, ose dire un mot, lui dit Allah Akbar, mais lui dit aussi Christ Akbar. Bon Dieu, plus grand, toujours plus grand. C'est la prière ban musulman qui bien existe d'ailleurs. Juste d'ailleurs, Dieu est toujours plus grand, mais le Christ aussi est toujours plus grand.
nous, dans notre foi chrétienne. Nous, dans la foi chrétienne, nous disons qu'il est Christ et tout seul nous médiateur entre bon Dieu et bon homme. C'est lui qui sauve nous et tout seul nous sauver. Et peut-on considérer. Est-ce qu'il nous capable de dire que l'islam aussi, il y a une voie de salut? Moi, je pense pas. Donc, l'islam... Moi, je n'ai pas pensé que l'islam, il y a une voie de salut. Mais je n'ai pas pensé que le christianisme aussi, il y a une voie de salut. Parce que je pensais qu'il y en a un seul sauveur et c'est le Christ. Et qui n'est pas capable d'en faire dans le christianisme. Donc, je sais bien ce que dit l'Église. Je connais que l'Église dit qu'il y en a les moyens pour sauver nous. Bon Dieu, il donne les bons moyens pour sauver nous à travers les écritures et les sacrements. Ça, je crois profondément là-dedans. Mais sa parole, voie de salut, je n'ai pas content de servir pour aucune religion. N'importe quelle religion il y était. Pas même religion dans laquelle moi était. Mais je préfère réserver. Je préfère réserver sa mot sali là, zis pour le Christ. Zis le Christ qui médiateur. Parce qu'il sait zis à travers lui qui les mondes capables de passer pour aller vers les pères. Et les mondes entiers, même ceux qui t'y finent perdus, parce qu'il est Christ fin vin, cesse ceux qui t'y perdus, et les fin sauve autres. Le monde entier, y compris ceux qui est perdu. Car il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le monde passe vers le Père. Les mondes, ils allent vers les Pères, dans le Christ, par le Christ. Et ça, il vaut pour tout bande du monde qui est dans les autres religions, comme il vaut pour bande chrétien. Cela vaut pour des chrétiens, voilà. En 1995, quand l'Algérie peut vivre dans une violence terrible, et qui ban moine in choisir pour rester avec le ban voisin, même si tous les autres ont pu vivre dans l'insécurité, pour solo Mélise et Dissin, Christian de Chergé porta sa méditation sur la fraternité, qu'il est Christ fin vive, lui qu'il est né d'une multitude ban frère. Il fin content ce ban jusqu'à dans bout de la vie, tout ce ban, tout ce pouli. Les fins tellement contents Banzom qu'il les fins donne ce seul garçon, ce unique. Et les verbes fins faire lui-même frère. Frère de Abel, mais aussi frère Caïn. Frère Isaac, mais aussi frère Ismaël. Frère Joseph. Et que frère ban 11 les autres qui t'y vannent lui. Frère la plaine et que frère la montagne. Frère Pierre et que frère Jida. Et frère Sanla et que frère l'autre là. L'air fin vini, que de bon Dieu pour apprendre ce qui s'accoutait pour rentrer dans la fraternité. La fraternité en Algérie. La fraternité dans l'Algérie, ça veut dire qui non pour donner man di moun qui fait dominer, qui sont musulmans ou qui sont dans l'armée, qui manière pour appeler les autres. Soit musulmans ou qui soient de l'armée. Et commandé par les généraux. Pour Christian, il pas appelé les autres terroristes. Il appelle les autres ban frères à la montagne. Dans Tibérine, jamais tu servis à mon terroriste là. Tu dis à ban frères à la montagne. Et ban militaires qui t'y fait pareil comme ban là, tu appelles les autres ban frères à la plaine. Voilà. Et les militaires qui faisaient pareil que les autres, on les appelait les frères de la plaine. Voilà. Vous voyez l'expérience de la fraternité. Où trouve l'expérience de la fraternité. Il peut vivre comme ça. Ensuite, il peut vivre aussi dans un événement dramatique en 1993. Quand un groupe GIA qui est armé, il vient avec Emir Saïa Atia, comme à Sosef, Zetifin assassine 12 Croates 10-15 jours auparavant. 15 jours auparavant. 10 jours auparavant même. Quand il vient. Quand il vient, il demande pour enlever frère Lick qui est docteur, il demande ban médecine et casse. Il demande des il demande de l'argent. Et il conclut à Christian en lui disant. Et il dit à Christian, de toute manière, tu peines à les soi. Et Christian répond lui, mais si, moi n'a soi, ou toujours n'a soi. Et il entend. Et il rentre dans un dialogue avec sa zone là. Pas facile. Pas facile. Des trois jours avant kidnap Zod, Christian de Chergé t'y peut pas. S'assoit là. Mon petit gardien, mon bon frère. Mais moi, je suis aussi gardien sa frère là, qui est là devant moi. Et qui est bizarre de découvrir un autre quelque chose dans le lit qui sait qu'il est indéfini. Et c'est un peu ça qui finit arriver dans la mesure qu'il finit céder.
quand il finit faire un effort comprend. Et après, ils se sont demandé qu'est-ce qu'ils après, ils finissent demander aux mêmes qu'ils ont besoin de faire. Ils finissent décider pour rester. Qui faire? Par fidélité pour votre vocation, pour votre la vie, par fidélité pour l'Algérie, fidélité pour votre voisin, fidélité pour les musulmans, fidélité pour l'islam, fidélité pour l'église d'Algérie. Fidélité à l'islam, fidélité à l'église d'Algérie. Le 21 mai 1996, Christian de Chéager finit assassiné avec 6 autres de ses bandes frères. Il commence à écrire ce testament en décembre 1993. Si un jour arrive moi quelque chose et ça capable à Zodi, arrivé qu'il m'a victime d'un terroriste qui a dit qu'il menace tout un étranger qui vit dans l'Algérie. Je suis content qu'il m'a communauté, qu'il m'a l'église, qu'il m'a famille rappelle, qu'il me donne la vie pour bon Dieu et pour sa pays là. Je l'amour pour paraître pas donner raison à ban qui te traite moi des naïfs ou des idéalistes. À ce là, vous êtes capable de dire ce qu'ils ont voulu. Mais vous êtes bizarre de connaître quelque chose qui enfin s'acquiert yosité qui type brille dans moi là pour gagner sa réponse. Là, je suis capable, si bon Dieu béni, plonge mon regard dans regard bon Dieu papa. Pour contempler avec lui ce bons enfants qui dans l'islam, comme à l'île y trouve autres, dans la lumière et la gloire du Christ, frise aux passions. Avec sa la joie secrète qui pour toujours en vie établie en la communion et créer faire sa ressemblance là et en même temps God ban différence. Dans sa merci, quand me dit à tout me la vie, me dit à lui à zot aussi, bien sûr ban camarade qui me tient à hier et qu'en cause aujourd'hui. Et toi aussi, mon camarade de la dernière minute, qui pas connaît qui te peut faire. Oui, pour toi aussi, moi, envie de dire merci. Et ça, adieu, qui m'a envie pour toi. Qui bon Dieu donne-nous, retrouve-nous, comme un man larron erré dans le paradis. S'il plaît à Dieu, nous, papa, pour nous tous l'aider. À moi là, nous avons prié pour une relation entre les chrétiens et les musulmans dans l'Algérie. Pour ce mois là, nous capables méditer loin une parole de l'Évangile Jean, chapitre 14, verset 6. Jésus dit, moi-même si mais la vérité et la vie. Je dis capable passe pas au moins besoin de nous papa. Mautia saban cette frère là, c'est un témoignage admirable. Menadimoun qui quand je t'écoute sa interview par Christian Salançon là, qui peut cause la pensée Christian de Chéager, capable décourager pour évangéliser ban musulmans. Des prochains films Net for God pour se répondre à défi là. Des tout bandes pep fait un band disciple.